Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Heart of Iron 4, l'épisode 26, je crois, notre série avec l'URSS. Donc, le petit marin qui m'a envoyé un message sur Steam s'appelle Rexman. Enfin, je crois que c'est Rexman, j'ai pas fait trop attention, mais il se reconnaîtra de toute façon. Alors, il était en train de filmer. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. L'épisode sera plus court par sa faute, comme ça si vous n'êtes pas content, vous le démolirez dans les commentaires. Je sais, je suis cruel. Enfin bon, moi ça me dérange pas, moi j'en rigole, personne. Voilà, le génie ça a été recherché, donc on reprend, on s'est arrêté la dernière fois, on va continuer notre glorieuse conquête du monde. Les montagnards... Il n'y en a plus, quasiment. C'est impressionnant quand même quand je regarde derrière mon arbre de technologie comme je l'ai. J'ai vraiment eu des gros focus. En PC, quand on tient rien, j'ai jamais rien fait. Je comptais tout ça en aviation. Tout ça n'a pas été préjudiciable. Et on va faire ça. Ici, on va... 22, 18, 13... partir d'un débarquement amphibie. Non. Si. D'ici pour la nouvelle. Pour Wellington. Donc là maintenant il me faut ma flotte du coin. Mais normalement il doit y avoir des sous-marins quelque part. Cette flotte là. On annule tout. Maintenant on doit rechercher la destruction. Ici, ici. La flotte a quand même subi quelques dégâts majeurs, c'est vrai. Mais bon, tant qu'elle me protège et me permet de faire les débarquements, ce n'est pas grave. Bon, pour la vidéo, c'est pas grave. Personne qui... J'aurais dû me déconnecter de Steam, c'est quoi, voilà, c'est... Ça me paye de l'avouer, mais voilà, quand j'oublie, généralement, je sais que ça arrive. Généralement, quand j'oublie de me déconnecter de Steam, il se passe ça. Donc pour ceux qui veulent faire des vidéos, je vous conseille toujours de vous déconnecter, enfin... Vous déconnecter, ça peut être aussi juste vous mettre hors ligne. Pas de couper Steam, moi je garde Steam à nommer. Mais j'aurais dû juste couper Steam pour ne pas être dérangé quand je filmais, c'est tout. Voilà, enfin, mettre hors ligne Steam, quand je filmais, voilà. Maintenant ici ça va être tranquille, voilà. Là. Ici récupérer les petits poissons de sud, ça va être différent. Petit croissant du sud, petit triangle du sud plutôt. De toute façon c'est un carnage quoi. Une fois que j'arriverai à débarquer aux États-Unis, ça sera un carnage quoi. D'ailleurs, ça fait penser soutenir un coup d'état. Ça va prendre des années à arriver, mais ça va... J'inviterai pas dans le commentaire le parti là, parce que sinon ça risque de... Je risque encore, il va avoir rejoint de la guerre, les deux guerres vont être fusionnées, ils vont arriver ici, ça va encore donner... Je vais encore perdre de l'influence. Vous connaissez que je déteste perdre de l'influence dans une guerre. La technique là c'est foncer sur le port de Rio de Janeiro. Non, j'y connais, c'est pas grave. On va encerclement, dégâts. En tout cas, tout se passe bien depuis que j'ai repris les rênes du parti communiste. Je vous rassure, notre leader bien-aimé est encore en bon état. Enfin, bon état. Officiellement, il est encore vivant. Je n'en dirai pas plus sur son état de santé. Je ne vous en dirai pas plus. Nous avons une guerre à emporter. Quoi que ça nous en coûte. Une guerre.
ici, on en prend un qui va en haut. Par contre, c'est des troupes brésiliennes, c'est ça qui m'interpelle. Donc le Brésil. Ah, j'ai eu peur. Mer de Corée, mer de Salomon, mer de Tasman. Mer de Corée. Ah, la bataille de la mer de Corée. Une bataille épique, c'est l'apogée de la bataille navale avec les porte-avions japonais et américains. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mer de Corée va pouvoir s'affronter à majorité des porte-avions des deux camps. Et c'est cette bataille-là qu'à majorité de la flotte de porte-avions japonaise, enfin nippon si vous préférez, va être démolie. Et sans cette flotte, le Japon va être honnête, le Japon sans cette flotte n'aura plus de quoi combattre. Enfin, on n'aura surtout plus de quoi de contester, surtout Pacifique. Hein. Par contre, attendez. On retourne les deux là-haut. Non. Il y en a un qui tombe au front sud. Là. Mais cette bataille est bien différente cette fois-ci, étant donné que cette bataille. Donc là, je vous présente une technique. Quand vous débarquez, vous n'avez pas pris le port. Construction. Ça m'attend. Bon, ça on s'en fiche. Construction. Hop. Priorité max. Et voilà. Après, c'est des petites techniques que vous chopez avec le temps, quoi. On se rend compte que c'est parfois beaucoup plus efficace que de s'embêter à faire le reste. Donc là où j'ai extrêmement bien agi, j'ai totalement foutu en l'air. Mer du Labrador, c'est normal, c'est mes sous-marins qui font mumuse. Kirill Ivanikov, c'est bien débrouillé. Là où ils ont Sergei Gorstchov qui se débrouille bien. Et je crois qu'il y a une flotte de sous-marins qui est quasiment morte. Voilà, qui a subi un gros revers en Méditerranée, qui va y retourner d'ailleurs. Et on la renvoie cette flotte d'ailleurs pour la Méditerranée. Immédiatement. Voilà. Oh mais attends, c'est une division... Allez hop, un croiseur léger de démoli. La première sortie se débrouille bien. Non. Au niveau de la clé de maintenance, ça va surtout réduire l'usure des tanks dans des conditions climatiques assez compliquées. Je vous conseillerais de mettre la clé là. Excusez-moi. Donc, je m'explique. Je vous conseille d'utiliser les clés, de mettre ça dans des armées qui sont, par exemple, vous faites une armée qui va uniquement combattre en Afrique, je vous conseille, dans les déserts et les montagnes, tout ça, je vous conseille d'en mettre une. Comme ça, vous aurez beaucoup moins de pertes d'équipement. C'est quand même toujours très agréable d'avoir moins d'équipement perdu, et de pouvoir continuer les offensives de manière générale, normalement. Avec le temps,
Je vais juste prendre ici la 23, la 20e, la 19e, la 17e, la 16, la 15, la 14. Là. Pour qu'ils aillent là-bas. Ah. Ici on intercepte un destroyer. Quand même une sacrée bonne flotte. Quand elle va lever l'ancre et quand elle va devoir affronter surtout la marine américaine, j'ai aucun doute sur sa réussite. Alors, donc là, il met beaucoup de temps à avancer sur Tonneville. Mais... ce qui me surprend surtout, c'est qu'il m'a laissé la possibilité de débarquer là-bas en fait. Voilà, ça on affronte déjà des... c'est vraiment de... j'arrive bientôt à la fin du désert là, donc ça... ça se ressent quand même qu'on arrive à la fin... oh mais... j'en ai marre... chaque fois, je suis obligé de retourner avec des troupes là-bas. Un sous-marin démoli. Encore des combats de démoli, donc c'est toujours pratique d'intercepter qu'on voit ça limite leur impact sur le continent. C'est comme ça que vous pouvez. C'est déjà... ça arrive aussi parfois que vous arrivez à dégommer tout un approvisionnement. D'empêcher l'ennemi de produire correctement sa production parce qu'il a plus la livraison de son de marchandises. Bah, 91,4%, mais ça augmente pas. Je suis en train de quand même conquérir le monde, de faire la guerre à tout le monde, à massacrer un peu tout le monde. Mais non, ça compte pas. Le problème, c'est qu'on défaut de croiseurs légers de destroyer les sous-marins, ça se fait tellement bien. Combien 91,5 j'espère. Ça va mettre beaucoup de temps, mais je pense que je devrais pouvoir finir cette guerre à un pourcentage quand même. Ici, on va scinder en deux et je veux que la moitié retourne. Notre division est là-bas. Là, 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 là j'ai sommeillé par contre. L'armée de Nouvelle-Zélande a raison. Enfin, il doit encore avoir quelques troupes, mais voilà. En fait, là, c'est bien. Nouvelle-Zélande a capitulé. On va construire un terrain d'aviation dans ce cas. Attendez, il y en a déjà. J'ai un terrain d'avance. Ah, il y a un terrain d'avance, j'ai pas. Donc on va mettre tous les IX6 qu'on peut dans cet aéroport. Et on va massacrer tout ce qu'on peut par ici. Toutes ces unités-là vont après aller dans ce port-là. Préparer un débarquement sur la côte de Sydney. Voilà. Tout devrait bien se passer. Mais normalement, là j'aurais le meilleur temps de réparer, d'améliorer le port que j'ai récupéré juste après, mais bon. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah! Donc j'en perds chaque jour. On va arrêter d'implanter les deux J communistes parce qu'on y arrive pas. Si vous voulez importer l'idéologie d'un pays aux États-Unis, c'est le premier truc à ce que vous devez faire en fait sur les États-Unis. Dès que vous commencez une partie en 36. Comme ça, avec l'Allemagne, vous pouvez faire en sorte. Avec l'Allemagne ou le Japon, vous pouvez faire en sorte que ça devienne votre allié dès le
aux alentours de 40. Parce que sinon, après, ils ont tellement de résistance à tout ce qui est changement idéologique que vous y arriverez jamais. Que de base, je vous rappelle, ils ont une résistance de 20% à la dérive idéologique. D'être détruit encore. Groupe de lutte, forteresse ou autre. Non. Ma flotte devrait bientôt être de 100 navires là-haut. Comment ça se fait que ça. Ah, parce qu'ils viennent d'arriver. Ouais, je suis bête. Bon, après, par contre, l'invasion des États-Unis, ça risque d'être quand même une autre perte de points. Canada, Australie, Afrique du Sud, États-Unis. Gavin n'a pas son mot à dire. Ah, bah 92%. Bah, finalement, je suis en train de reprendre les pourcents. Non, 91,5 toujours. D'accord. Ça monte lentement les pourcentages. Ça monte lentement, quoi. Voilà. On va faire gagner un pas tout le monde. Il faut que je trouve un. Le problème, c'est que je pourrais pas débarquer aux États-Unis sans avoir ces troupes-là, quoi. Les troupes-là, d'ailleurs, je pourrais peut-être les amener ici. Là, un redéploiement stratégique. Je vais peut-être faire un débarquement aéroporté sur le reste du Danemark, là. J'ai toujours pas trouvé la bonne doctrine aérienne pour moi, en tout cas. Enfin, avec l'Union soviétique, j'ai aucune idée à quelle est la meilleure. J'aime pas le bombardement stratégique. Même, j'aime bien le faire parce que ça rapporte plein de points, mais sinon ça sert à rien. Je peux essayer de leur faire replier sur cet endroit là. Ah, sur le sud, j'avance vers Pretoria de toute façon. Donc mes avions. Les avions n'auront pas on aura pas de méga flotte là, ça ira pas. Donc voilà, l'Afrique du Nord est quasiment totalement sous mon contrôle. Direction de convoi, c'est que vous cherchez. La flotte de guerre doit quasiment être prête là, la première flotte. Sous les ordres de l'amiral Arzenelli Govost. Ah oui, elle est prête. Et moi je dis qu'elle est prête à lever l'ancre. 50 UDD, 20 croiseurs légers, 15 cuirassés.
d'Angleterre. On va maintenant se préparer à quelques débarquements amphibies. Partir du port là pour aller ici. Trois divisions là vont maintenant se mettre ici. J'en veux 4 de plus. Comme ça. Voilà. N'inquiétez pas, j'ai la première flotte de guerre qui va tout être là. Donc c'est quelques sous-marins et je voudrais bientôt me débarrasser de la mer intérieure. Je considère comme la mer Baltique, je considère comme ma mer intérieure à moi. Voilà. À moi, mer intérieure, historiquement, c'était comment appeler les Romains la mer Méditerranée. Mare Nostrum, notre mer. Mais les Russes, c'est la mer Baltique. Enfin, même s'ils n'ont jamais tout capturé autour, mais faut se dire qu'en Berlin, enfin. En l'Est et l'Ouest. Si on avait le Danemark, la Suède et. Enfin, ils avaient la Finlande, mais. Jamais eu réussi à avoir tous les pays scandinaves. Suffisait en fait de capturer les pays scandinaves, c'est bon, vous avez ce qu'il y a de manque à vous. D'ailleurs, les chasseurs ont toujours une princesse sur les Landes, c'est impressionnant depuis qu'ils tombent. Pas pensé. Donc là-bas, les avions font pas leur travail. Ah bah enfin, un destroyer détruit. On est en train de commencer. Une fois qu'il n'y aura plus de destroyer, on pourra lancer. Les assauts qu'on veut. On va se mettre un démoli ici. Quatrième flottille est déjà en position. Notamment avec les cuirassés armés. À grande trièse, en mode, ouais, on a un croiseur de bataille qui s'appelle Stalingrad, Sébastopol, Kirov, Kalinin, Yuri Andropod, Sébastopol, Chapaïev, Kankrab, Angel, Vosiap, Joseph Staline. Mais là, c'est écrit Joseph Staline, c'est Joseph Staline. Vladimir Lenin, Karl Marx, Vladivostok, Marat. Il y en a certains que je peux lire, mais pas tous quand même. Là, voilà. On termine cette petite poche et voilà. Voilà. On va intercepter. La flotte de Hongrie va traverser. J'ai remis le débarquement quand même que les parachutages. On va être attaqué par un avion, c'est normal. D'accord, quand même certains trucs. On veut quand même ici une base. Même si on a quelques pertes.
Bah donc vu que j'ai pas pu prendre le port, ben voilà. Si j'arrive à prendre du blin tout de suite. Donc si j'arrive à prendre du blin. J'ai dit du blin, excusez-moi. Si j'arrive à prendre du blin. Ça sort le blin. Ouais mais c'est bon. Pas à craindre la rébellion, j'aurai le temps de. Elle sera fomentée avant. Là, ils ont plein de ports, mais je pourrais pas les utiliser. À mon avis, j'arriverai jamais à les mettre tous en production militaire. À cause du sabotage. Hein. Aïe, ma flotte, aïe. Enfin, mon armée plutôt. On a même plus besoin de construire à Lannister, on a besoin de construire ici, à Dublin. À Lannister, on a besoin de construire le port. Ok, maintenant c'est à la dernière. Un bon militaire va bientôt passer en service de mobilisation maximale. Porte-avions d'escorte, défense organisée. Non, des petites escarmouches, c'est dommage. Des grosses escarmouches seraient plus avantageux pour nous. D'accord, l'Irlande du Nord, enfin en Irlande du Nord, il y avait un site de missiles stratégiques. C'est moi, il y a beaucoup de pertes d'image là. Enfin, il y a beaucoup de freeze. Par contre, là, si j'arrive à provoquer un peu plus de retroupes ici, ça serait une grande victoire pour moi. Parce que la majorité des troupes américaines sont là-haut, ça me permettrait d'avancer directement vers Belfast. Autant vous dire, prendre Belfast, c'est prendre le dernier port qui est en Irlande. Et si je prends le dernier port d'Irlande... J'ai compris en gros, vous capturez le site de roquette et après ça se capture tout seul. Ça se construit tout seul les roquettes plutôt. Ça se capture tout seul. C'est pas comme les Pokémon. C'est vraiment de ces troupes qui font peine à voir quand même. Il reste encore. Ah, il reste d'ailleurs ce port-là. Alors toi, tu vas te mettre ici. C'est pas parti. Après, les Américains ont toujours un avantage d'écryptage à cause de leur comité, machin truc qui est mis là-bas. Je vais vous montrer comité. Attendez, je retrouve personne. Office of Strategic Service, OSS, après devenu CIA. Plus 20% de décryptage. Vous pouvez avoir toutes les technologies de décryptage que vous voulez. Une fois que vous êtes les deux au même niveau, au niveau technologique, ben, il y en a un qui aura plus 20% sans bonus de base. Ben, ma faute là, elle se fait massacrer, mais c'est pas grave.
Ah non, parce qu'on trouve pas encore assez la province pour pouvoir utiliser le site d'Irlande. Même si je contrôle la province de domicile. Bon, quoi qu'il en soit, on s'arrête là pour cet épisode. Ça fait 30 minutes. Je me suis regardé avec moi cet épisode en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Ça porte bien. Et à ciao tout le monde.